qu'on joue. Voilà, parce que, comment elle s'appelle, l'animatrice actuelle, elle joue un personnage de la femme qui, voilà, qui se joue les dangereuses autres. Bon, elle pique, elle veut donner du tonus à l'émission, donc moi je peux comprendre le game. Voilà. Mais Marie-Dominique était un ange. Je vous jure. Je ne sais pas pourquoi ce sont les bonnes personnes qui meurent vite. Je vous jure. Marie-Dominique était une très belle personne. Une femme. Non, je t'ai dit. T'as dit, ce sont les femmes qui sont mariables. Sa manière de te parler, sa manière d'accueillir est haute. Bien. La fille est décédée, selon sa famille, d'une crise cardiaque. Anaconda aussi est mort d'un problème de cœur. C'est-à-dire, on s'assoit et puis on commence à se poser des questions. Je vois des prophètes qui déjà, et ce qui est malheureux, c'est de constater que les gens, ils attendent toujours, hein, quand il y a la mort, pour maintenant venir donner révélation, pour se jouer les prophètes. Je vois certains blogueurs commencer déjà à essayer de faire comprendre que la mort de Marie-Dominique, là, ce n'est pas clair. Et je vois qu'il y a des gens qui sont dans cette théorie. Hein. Oh, d'accord. Ok. Maintenant, moi, il y a une question à vous poser. Moi, je connais des familles où le grand-père meurt. Une semaine plus tard, la grande-sœur meurt. Un mois plus tard, la maman meurt. Donc, vous allez venir m'expliquer que la mort, là, ce n'est pas normal. Vous connaissez la foi de Marie-Dominique. Marie-Dominique était une chrétienne convertie. Elle avait un problème de cœur. Et quand tu as un problème de cœur, avant d'aller travailler à Pipolémique, elle avait ce problème de cœur. Il est arrivé que 6 mois après le départ d'Anaconda, la fille décède. Déjà, les sorciers des réseaux sociaux ont pris un esprit de mort et ont déposé sur l'émission. Eve est partie de là, il n'y a pas eu de problème. Plein d'animateurs sont partis de là. Je vois même certains qui commencent à prévenir le petit Patko. Patko, fais attention. Hein. Patko, c'est toi le prochain. Bon, ok. Bon, comme vous, vous savez que ce n'est pas normal. Vous êtes prophète. Venez nous donner le nom de celui qui bouffe les gens à l'émission là-bas. Venez donner son nom. Venez nous expliquer les révélations que vous avez là. Venez nous expliquer comment ces personnes-là sont éliminées et sont tuées. Non, on va comprendre. Parce que point oui, point non. Point oui, point non. Bim! C'est pas clair. La mort là, frère, c'est normal. Hein? C'est un élément qui fait partie de la vie. Et nous là, on est les mieux placés pour en parler. Nous là, on est les mieux placés pour en parler. La mort fait mal. Mais champion, il y a une vérité qu'il faut reconnaître. Si ton heure n'est pas arrivée, que tu as mis ta foi en Jésus, il n'y a aucun sorcier sur la terre, aucun mystique sur la terre qui peut te tuer. Sinon, moi, ma cause a longtemps été mort. Ça, c'est d'abord un. Je vois déjà des gens qui ont commencé à indexer Aziz 47. Ah oui, depuis qu'Aziz 47 a commencé à passer sur le plateau, Anaconda est mort, Marie-Dominique est morte, etc., etc. Est-ce que le gars même, il n'est pas allé attacher les âmes, aller faire un envoûtement? Moi, Aziz 47, c'est mon petit. Sur le plan de la spiritualité, c'est mon petit aujourd'hui, c'est mon petit demain, c'est mon petit après-demain. Lui-même, il connaît. Et je l'ai montré ça en pleine émission de télé. Si ce qu'il dit, il n'est pas content, on se retrouve encore sur une émission de télé, je l'éteins. Je suis capable de le faire coucher même et puis faire sortir le démon qui est en lui. Mais il faut être quand même logique. Il faut quand même être humain. Il faut quand même être intelligent. Il faut quand même être normal. Aziz 47 va aller faire du mal aux personnes qui travaillent à Pipolémica. Sur la base de quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, je ne suis pas en amitié avec Aziz 47, mais ce n'est pas mon ennemi. On est ennemis sur le plan spirituel parce qu'il adore le diable. Moi, j'adore Jésus. Mais Aziz 47 est moi, mon parent. Quand j'arrive dans ma région de Tiegba, c'est Aziz 47 même qui logiquement doit prendre ma main pour aller me présenter au chef coutumier de, mon village. Mais si demain on me voit avec Aziz 47, les pasteurs vont commencer à interpréter autrement pour dire: oh, Marcos est allé le voir pour aller prendre pour Aziz 47. C'est la seule chose qui fait que je peux encore aller te voir. C'est à cause de bouche des gens. Sinon, au-delà du côté mystique, démoniaco, satanico, sorcier d'Aziz 47 là,
Et puis son mot diable pour ajouter encore. Aziz Karanseh fait partie des personnes les plus généreuses de la Côte d'Ivoire. Aziz Karanseh fait partie des personnes qui aident son prochain. Moi-même, ma prochaine cathédrale, Aziz Karanseh va donner 5 millions pour la construction de la cathédrale. Vous allez me dire quoi, que l'argent d'un féticheur, on ne peut pas pour construire une maison de Dieu. Vous avez menti. Vous avez menti. Il va donner sa participation. Parce qu'on appelle ça la fraternité. Le jour où lui a un concert, que je peux prendre des tickets dans son côté artistique, je prends des tickets par rapport à son conseil. C'est ce qu'on peut être humain. Mais une fille meurt. Ses parents sont en train de pleurer. Et vous venez directement accuser des gens, mettre dans l'esprit de ses parents que ce n'est pas normal, que cette chaîne de télé-là, ce n'est pas clair. Les gens meurent. Bon, ok. La 3, elle fait partie du groupe RTI. Citez-moi le nom des animateurs ou des chroniqueurs qui meurent bêtement au niveau de la RTI. Arrêtez ça. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est méchant. Vous n'êtes pas en train de faire du bien à la famille. Vous n'êtes pas en train d'aider la famille. Au contraire, vous êtes en train de les détruire. Et c'est méchant de votre part. Je vois des prophètes qui s'asseyent. J'ai vu, Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. C'est ta... Dieu n'a pas encore fini de montrer tous les... T'as dit, le cochléa de ta mère, c'est vie des gens. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a la mort, les gens vont utiliser comme des vautours la mort de quelqu'un pour tenter de détruire encore tout ce qui est autour de la personne. C'est méchant, c'est son œuvre. Moi, hier, j'avais très mal. Hein. J'étais très énervé même. J'étais très énervé hier. Mais j'étais énervé contre qui? Contre Dieu. Parce que j'ai dit à Dieu, pourquoi ce sont les bonnes personnes qui partent aussi vite? Et c'est ce côté qui me fait mal. Pourquoi c'est toujours les bonnes personnes? Les personnes qui sont bien. Les personnes qui sont vraiment d'une générosité légendaire. Pourquoi ce sont ces personnes-là qui partent aussi vite? Et ça, ça m'a fait mal. Mais au-delà de tout ça, la mort fait partie de la vie. Maintenant, je vais vous dire une chose. Marie-Dominique, en tant que chrétienne, elle meurt. Elle se retrouve dans un monde où il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus loyer. Et il n'y a plus facture de CIE. Marie-Dominique a tout gagné. Marie-Dominique, aujourd'hui, là, elle est mieux que nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est dans un endroit qu'on appelle le paradis. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus d'hypocrisie. Elle est en face de son Seigneur. Elle est dans les parvis de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis vous êtes triste. C'est-à-dire, quelqu'un est sauvé. Elle est au paradis. Où nous tous, on jeûne, on prie pour partir là. Mais la condition pour rentrer là-bas, là, il faut mourir. Quelqu'un meurt. On doit acclamer pour dire, vie, tu as parcouru le bon combat. Nous, on est en train de s'accuser. Mais on est maudit, hein. Marie-Dominique, félicitations à toi pour le combat. Aujourd'hui, là, je rêve d'être à ta place, être dans le parvis du Seigneur. Mais Dieu a fixé le temps de chacun. Quand mon heure arrivera, je partirai. Mais moi, ma mort, vous allez voir tous les prophètes venir s'asseoir. Dieu m'a montré, ma console, Dieu l'a frappé. Ce sont toujours, on les appelle, les gens, les maudits, on attend toujours la mort des gens pour se donner une importance. Que Dieu vous maudisse. Je termine ma vidéo en disant à tous ceux qui sont vivants, vous n'avez pas le choix que de donner votre vie à Jésus. Et ça, je le dis. Et ça, celui qui n'a pas compris, il va savoir. Et que ta vie sans Jésus, tu es un poulet sans propriétaire. Et dernière information, la mort qui se passe aujourd'hui, moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis même pas du tout étonné. Parce qu'en début d'année, j'ai été clair avec tous ceux qui me suivent que 2024 n'est pas une bonne année. C'est une année de la mort. Donc, faisons attention. Ceux dont le temps est arrivé, Dieu va les enlever. Ceux dont le temps n'est pas arrivé, les sorciers vont les manger. Mais dans le cas de Marie-Dominique, elle avait d'abord un problème de cœur. Dieu a vu la souffrance de son enfant. Il a pris sa fille. Rendons grâce à Dieu. C'est pour ça que j'aime les musulmans. Dieu a donné, Dieu a repris. Point barre. C'est très important. Aucun sorcier ne peut te tuer si ce n'est que ta famille qui te livre. Ça ne peut pas exister. Donc arrêtez vos théories. Je termine pour dire...